Donc, Makamboya Bemba Zali, nous devons remettre son acquittement en question. Nous devons remettre son acquittement, sa libération en question. On doit poser beaucoup de questions là-dessus. Parce que tout le monde est dans les photos, dans les réseaux sociaux. À qui qu'on rendre hommage à Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a été un complice, qu'est-ce que Tshisekedi dit? Bemba qui rendre hommage à Etienne Tshisekedi. C'est un geste politique. Parce que je dis qu'il a une mission politique. Il doit d'abord commencer par là pour avoir les ITPCiens et avoir une partie de Balouba. Il doit d'abord commencer, c'est une mission politique. Et on lui a dit de faire ça. Il faut avoir ceci. Petit à petit, au Koumou, on a qu'on s'échanger une poignée de main avec Kanambe. Ça sera comme l'histoire de Kim Jong-un et Donald Trump. Vous les avez vus balader dans les rues de Singapour. Mais pendant qu'ils s'insultaient du haut de la tribune des Nations Unies, les gens croyaient vraiment que les bombes vont tomber et qu'il va radier de la carte mondiale la Corée. Mais la Corée a eu ce qu'elle cherchait. Elle a eu la levée des sanctions. Elle a eu une grande puissance s'agenouiller devant elle parce qu'elle a utilisé la vengeance. La vengeance, c'est quoi? Les États-Unis veulent avoir seul le monopole de l'arme atomique. Sauf que Mutumususu a eu arme atomique, les grands frères commencent à trembler. Alors il faut tout faire pour l'intimider. Mais le petit Kim l'a intimidé à Bangui, à Korbo Monakion. Il a cédé. C'est pour vous dire que Kobo Sanate. Sauf que comme il a couru, au commun à Bastachi, Nakate à Bamusée, Oyo, Ba Coréen, Ba Tonga, et si que Ba Américain. Bazo koboma ba coréen ba bayonette bazali ko bet bango masase boye. Et à tout moment les dirigeants nord-coréens font passer les générations défiler là ba mausolée wana. Oui, voici votre ennemi, c'est l'américain, votre ennemi c'est l'impérialiste, voyez ce que les américains nous ont fait. C'est ça, et c'est ancré dans la tête de tout enfant coréen, que vous appeliez ça l'endoctrinement ou pas. Mais c'est un enseignement pour Babo Sanate. Nous devons faire la même chose. Contre Moto Mabe, il faut tout ça la bango Mabe. La Corée a bousculé l'Amérique et les autres puissances. Maintenant, l'accord qu'ils ont signé, c'est pour les investissements. L'Amérique va investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, Bakanya Amérique na Kingo. Oui. Donc, nous devons faire la même chose. Nous devons choisir qui doit investir chez nous, parmi les gens qui nous ont fait du mal. Nous ne devons jamais accepter qu'il y ait des investissements rwandais, des investissements burundais, ougandais. Et point d'interrogation, l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud fait partie des pays qui ont attaqué le Congo. Nous devons savoir ça. Président, avant de vous relâcher, merci. Vous avez un commentaire à faire, numéro dans le petit écran. Président, visite à Félix Tshisekedi, d'ici là, Azo Sangisa, la population congolaise. Félix Tshisekedi, face à la population, votre réaction est de... Qu'il foute le camp. Azonga. Qu'il rentre à Bruxelles, là où il était délivré de Pisa. Qu'il rentre en France ou en Angleterre, là où lui et Sami Badibanga étaient des frappeurs de banque. Nous n'avons pas besoin de voleurs à la tête de notre pays. Nous connaissons son passé. Nous n'avons pas besoin de lui. Bon, il est en train d'imiter les pas de son feu père. Son feu père était ivre de la marée humaine, de l'accueil des gens partout où il passait. Hein? À Yen, aéroport et Afrique du Sud, tout l'aéroport a été rompu. Nous n'avons pas besoin de la marée humaine. Hein? Nous avons besoin de gens honnêtes. Nous avons besoin de prétendants dirigeants honnêtes, pas de malhonnêtes comme lui et son père. Ils ne sont pas modèles du dirigisme dans un pays. Son père était corrompu, son père allait s'agenouiller devant Kagame l'occupant et l'humiliateur du peuple congolais pour commander le pouvoir. Son père avait envoyé des délégués de l'IDPS pendant des années et des années pour rester, être logé au Rwanda,
et subir une certaine, un certain formatage de cerveau afin de venir leurrer au peuple congolais. Son père est venu aussi ici en Afrique du Sud, c'était la même chose. Et puis il a organisé des conférences ici au cours desquelles nous avons cotisé de l'argent pour des dîners, pour des banquets. Il n'a jamais remis, hein? Il n'a jamais remis l'argent que moi j'avais cotisé. Où il récoltait 26 années. C'est un symposium, je crois. Pour l'imperium. Pour aller prêter serment dans une toilette. Hein? Donc nous sommes ahuris de sa visite ici. On n'a pas besoin de lui. Il vient consulter qui? Il est venu pour une visite diplomatique. Non. Il vient demander l'appui de Thabo Mbeki, l'appui du président sud-africain et d'autres hommes d'affaires sud-africains. Ça prouve qu'il n'est pas souverain. S'il est souverain, s'il est vraiment un Congolais, le pouvoir c'est au Congo et non pas venir commander ici. Il vient étendre l'extension de la corruption et de la complicité contre le peuple congolais, hein, comme son père le faisait. Donc on n'a pas besoin de lui qu'il rentre. Hein, il est au service de Kanambe, dont la sœur lui a donné 8 millions de rentes, enfin 8 millions de dollars américains, avant de prendre la parole et haranguer la masse à la place Sainte-Thérèse, à chose Angili. Nous n'avons pas besoin de lui qu'il rentre, parce qu'il ne représente pas un leadership. Il y a Moïse Katumba, Bengani Bango en Amérique. Est-ce que Bazo qui ne corrompre le lobby juif qui va passer au pouvoir? Babung Simbongo Pamba. 8 millions de dollars pour nous 5 sabbats. Oui, oui, oui. Et beaucoup plus, ça va passer à cahier. Pour jouer aux marionnettes ou à la marionnette des occupants. Nous connaissons. Donc, ce n'est pas un élément crédible. Il est entré de fluer la population, on n'a pas besoin de lui. Et qu'il quitte l'Afrique du Sud, on n'a pas besoin de lui ici. Atikabiso tso tso zoku fananzala, ce qui va trois ans à chômage na bango esika bakima, to tika bango kuna. Bazola ndra ka biso kaka bazaka nete ba pasteur. To tika ba pasteur na Congo, ba lanele biso ti esika nzo tokimi. Hein? Bazo ke na ba église partout esika tokimi. To ke na Belgique ba lanele biso. Okokoma na Angleterre plus de 1500 églises. Okokoma na France plus de 1000 églises ya ba Congo. Bazola ndra biso ti na kata li doso to kote. To kimi na mai bazola ndra biso na ba église na mai. Même chose n'a pas faux politiciens congolais. Dans le sud, partout. Hein? Nous ne voulons pas d'eux. Donc, Azonga, la 12e ligne, mettait Esika Akola et Esika Papa Naya Zalaka. To Azonga, na poto a continué carrière qui frappait. Yo, semaine prochaine, Monsieur Joseph Kabila, il fallait atteindre le congrès na Angola. Bazoko s'attendre naye a confirmé que Ako. Parce que Tchibala Salobiango déjà n'a pas info que le président Kabila a le casouté dans le troisième mandat. Il faut que nous soyons dans votre réaction. Akende na congrès, ça ne me regarde pas et ça ne regarde pas le peuple congolais. Et ça, congrès, il faut changer le régime. Et ça, il faut tout ça là, l'essentiel. Kabila a kimaté. Ce que Kabila a fait, Kanambe a kimaté. Ruberwa akimate. Batunyo swana obasabi soma be bakimate. Il faut to longola na kati ya vocabulaire na monoko na biso le moke Kabila akende. Il faut to longola ngo. Il faut to banda koloba, il faut to boma Kanambe. Il faut to kanga to boma Kanambe, Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Claude Nyamugabo. Ba Rwanda nyoso na ba Burundi na Bongade nyoso bazumungu na sabiso passe na ba Congo il faut to kanga bango to boma bango. Voyez ça? Et là j'interpelle les soi-disant officiers supérieurs d'une armée inexistante du Congo. Motonete général Etumba Soki Etumba. Quelqu'un qu'on dit qu'il a été formé, je ne sais pas, à l'école de cadets à Nania. Il y a Belgique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé apprendre en Belgique, en tant qu'un officier. Qu'est-ce qu'il fait au Congo, lui qui est le chef des armées? Est-ce qu'il a contrôlé la armée au Congo? Est-ce qu'il a contrôlé la brigade, la bataille? Moi, je ne pense pas. Il occupe des petites fonctions politiques comme
une garde-robe, c'est tout ce qu'il est. C'est en ce moment ici qu'il devait sauver son honneur. En ce moment-ci. Tala biloko basala ki na Madagascar. Quand les politiciens, comme au patapata, l'armée, après ça, ils vont dire l'ultimatum. Paf, peut passer le coup d'État, va prendre un pouvoir. C'est l'armée qui est au Madagascar. Burkina Faso, la même chose. Quand on a comparé à Tindibar, armée, la police va bombarder la population, l'armée a refusé. A qui m'a quitté? Qu'est-ce que Ekoutoumba, ce qui est Toumba, qu'est-ce qu'il attend? Ba soldats sont au Congo, ba désarmé bango, ba policiers ba désarmé, tout le monde a ba armes, kaka soki ba bani ko bo ma population. C'est le moment que il faut à passer mot d'ordre. Et pas il y a ba namboka nyoso, ba véritable soldats congolais, ba rwandais, hein? Ba attaquer bataillon moko ya ba étranger, ba botoli minduki. Et puis ba son ville à Kinshasa. Et puis ba boma anine nuit, anine journée, ba totu ba zoku tungisa biso. Nous ne voulons plus de ces officiers en tenue. Grande tenue à Lukuta, comme des majorettes. Awa, Lukuta pour tromper les femmes et tromper tout observateur qu'ils sont des militaires alors qu'ils ne sont pas des militaires. Et ça, bateau, bête à Bangom Bata, Nakanambe, Mikronios. Ce qui va coûter, c'est que les civils, au cours de la vie, les civils à Pamba, Mbendre, Sinzili, si Pumbu, Moutou Pamba, yo civil, alors que Zambonga civil ne foutra bango. Qu'est-ce que Bino Basoda Bozoko Zela, pendant 20 ans, Bozo Zelanini? Bozo Zelanini, Kanambazo, Beta Bino Makofi, Neti Banami, Keboza Basi, Lobi Lobiona, Bokobima, Bokomi, Kokangesuba civil Nanzela, alors que c'est cette période où on devait voir ce qui est un militaire, ce qui est un policier. Bokena n'a pas école de formation, Ponako Bunda, pour nous protéger Mboka, pour nous protéger les citoyens, bana Mboka Nyos, pendant 20 ans, Bosali Angote. Ça signifie que vous ne valez rien, vos tenues, vos formations, vos rangs des officiers ne valent absolument rien et vous ne valez rien, vous les soldats congolais. Ce qui ngai nazui et bonga, nombreux parmi vous, toko tina bino na rééducation ou bien toko longola ba pété à Lukuta bozana ngwana, ba pété bozui. La période il y a occupation, il y a corruption pour besoin qu'on peut ça occuper basi nabino na ba sœur nabino na ba nabino bazo dobe bango et puis bazo dobe bino raison pour laquelle beaucoup mes officiers, c'est ça le moment de jouer votre rôle des officiers en ce moment si tout monde y angote donc bolo bakanabino de sousouté. Nous devons diluer l'armée, nous devons diluer la police et recruter de nouvelles unités, pas des voyous et des corrompus tels que les Olenga, les Kisempia, les Etumba, Batu Pamba, Pamba, Vimbisi Mabumouya Pamba, Yakoumela Primus, Nakola là-bas, si c'est tout, et trahir les citoyens congolais. Vous ne faites rien. Nous allons vous régler des comptes. Attendez. Boyebi, ce qui s'est passé dans la Roumanie à l'époque, à cause de la dictature, il y a Ceausescu. C'est l'armée qui avait pris le pouvoir et l'armée avait dit trop c'est trop. Bakangiena moi sinaye Elena. Kaka penependako bam bam ba jugé bango peu vidé. Vous attendez quoi? Vous avez peur de quoi? Vous n'avez même pas peur, vous êtes seulement des complices. Vous êtes consommé bandako, vous êtes consommé mituka, vous êtes voyagé. Vous n'avez peur de rien. Vous êtes seulement complices. Bon liaka kaka. Bino bon liaka, bana bino bazaka bien. La majorité de la population est souffrir. C'est tout. Vous n'êtes pas différent des militaires de Mobutu. C'est la même chose. Tolingibino, les sustes, vous ne valez rien. Mais nous, excusez-moi, nous allons drainer vos corps à Kinshasa. Tokobomabino. Il doit y avoir un règlement de compte. On va y avoir. Oui. C'est la chanson que nous allons continuer maintenant à chanter à partir d'aujourd'hui. Règlement de compte. Tokotumabino Nyos, partout où vous êtes. Maman Francine Gembe, la grande dame de la Belgique, la coordinatrice du site www.congodialogue.com. Ça, c'est l'analyse que nous avons voulu faire avec le président Kilele, président national du Parti Congolais Nationaliste en Afrique du Sud. Président, merci pour votre temps. Merci. Si peut-être un message de la fin pour cet épisode, parce que je crois, nous vous promettons, chers téléspectateurs, Tokolobela, le règlement des comptes. Et ça, un peu, sujet moro à Mounene. Tokolobela, attendant mon dambou. Mais Tobo Sanate, que semaine prochaine, tu as l'analyse sur l'indépendance, n'est-ce pas? Yambo Kanabiso, où en sommes-nous?
qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, n'est-ce pas? Vous êtes toujours branché na YouTube Congo Dialogue. Un petit message na ba téléspectateurs balandi biso. Doutez fort de l'acquittement et de la prochaine libération. Il y a Jean-Pierre Bemba. Azali Soverte. Une mission politique lui est confiée pour venir nous endormir. Soki bolingi bo ponae comme Mokonzi Asika, to fan de saye, to juge ye, to pe saye agenda na biso. Et puis, bato ba kope saye agenda, ezali ba politicien ya mikolo yote. Il faut abenga biso, abenga de véritables opposants. Abenga ba fayulu te. Abenga batu ape perdete. Abenga batundute. Abenga ngai. Abenga mbanda. Na batu mususu. O bazabi pay na bipay. Kongole zala na motema likunya. Likunya e la kisi jalousite e la kisi rancune. Je pense si c'est ça le lingala. Kobosana mabe na malamute o moto salio. Toutefois, il faut faire la part des choses. Mais ceux qui m'ont sali ma B, il faut pour ça la ma B. Ceux qui ont sali moto ozongi si moto ma B, ezali éducation au pessier. Mpo azongela makambo wana li susuté. Lobi lobi awa, soki to longi barwande. Projet nangai ezali depuis Kalava Trump aloba. Ezali ya kotonga mur fortifié. À partir ya souda ti nase comme à côté ya katanga mur ya 6 mètres to kata relation diplomatique nyoso na Rwanda, Burundi, Uganda to zala na ba ambassadeur kuna te peto kendeke côté kabiloko kuna te Rwanda azana rien, c'est un petit pays, un pays de pauvres, de gens qui n'ont rien, qui ont commencé à avoir misuni leur bakoti na Congo. Po bango bazaka minene te bazaka makolo net ba antenne radio bazaka makolo te ba bambou na ba mino na bango bima boye e bima net ba songo o ba balambi na noté ko bosana mabe muto asaliote nzambe asalaka revanche te. Nous devons nous venger nous-mêmes. Douter des chrétiens, des clergés, na ba église. Ko kende sou na ba église te. Mpo bazali ba complice d'occupation, d'humiliation, peine d'exploitation. To kende na ba élection te, jusqu'à ce que Rwanda nyoso ba occupa tout ba longwa. Et avec le temps, nous devons tout faire mpo to longwa na ONU. Parce que l'ONU est au sala et l'oko mon côté na Congo. 22 ans bientôt. Basa la carrière. Même l'air Bayaka, na 1961, l'air Babomi, Lumumba, l'ONU était toujours là-bas. On a perdu notre compatriote Patrice Emery Lumumba en présence de ces gens-là. Nous avons manqué de mémoire de Yambiri Soubango. Bon, peut-être ça nous a été imposé. Mais totalement. Désormais, nous devons le dire ouvertement. Nous devons le dire, nous devons quitter certaines organisations. Il n'y a pas longtemps, le Maroc a fait, je pense, 30 ans à Longwa, na Union africaine. Maroc, à Longwa, na Union, et puis en tant que pays africain, et comme un membre de l'Union européenne. Raison pour laquelle investissement est allé mingi. Basala enini. Qu'est-ce que l'OIA a fait contre le Maroc? Rien. Maroc, le Maroc, il peut être réadmis, mais il en tant qu'observateur. Mais le Maroc a pris sa décision seul, que je ne suis plus, je ne fais plus partie de l'OIA, parce que l'OIA a attaqué la République arabe sahraouite, Yassara. Même chose, nous devons quitter certaines organisations qui
qui ne nous apporte rien. Organisation nette, SADC, ça nous apporte quoi au pays? C'est un conduit à travers lequel on est en train de nous exploiter et de nous humilier. Organisation nette, OIA, hein, ou bien l'Union africaine comme on l'appelle, ça nous apporte quoi au pays? Ce sont les Africains qui ne connaissent pas la valeur du panafricanisme, qui sont les premiers à nous attaquer, alors que nos pères indépendantistes avaient immortalisé l'indépendance, l'unité, l'amour, la fraternité de l'Africain dans la charte de l'OIA. Mais ce sont ces mêmes Africains qui sont des traîtres qui nous attaquent. Le Congo a hébergé, a accueilli combien d'Africains? Et voilà, qu'est-ce qu'on lui paye à monnaie de singe? Tous les Rwandais étaient chez nous, tous les Burundais étaient chez nous à l'époque. Qu'est-ce que nous paye à moyen de singe? Qu'est-ce que nous paye en retour aujourd'hui? Nous avons oublié ça. Et tout ça, on n'en discute pas. Nakati a basomé à OIA. On n'en discute pas. Et nous avons des diplomates. On n'en discute pas. On laisse comme ça, on laisse passer. À quoi ça sert encore de continuer à être membre de l'OIA si l'OIA n'a pas défendu le Congo? Ni diplomatiquement, ni militairement. Nous avons profité de quoi? Absolument rien. Donc, nous devons commencer à pratiquer un peu la politique de l'autarcie, de faire un choix judiciaire, diplomatique, avec qui nous devons coopérer. Où est-ce que nous devons ouvrir nos ambassades? Qui doit venir chez nous? Qui doit investir chez nous? Nous c'est ça, se déclarer souverain. Nous ne devons pas être souverains verbal, alors que pratiquement nous ne valons rien et nous n'implémentons rien. Le Congo vivra et bientôt nous allons fêter l'indépendance. On avait gagné l'indépendance. Merci à tous les citoyens, à tous les compatriotes. Merci. Merci. Merci à Pascal pour l'assistance. Merci aussi à ma résidence qui nous a donné cette chance d'être ici. On est venu me prendre à pied levé et on est là quand même. Salut à tout le monde, un peu de gymnastique. Merci Mink. Merci, voilà, merci. Cela nous amène à la fin de notre émission. Merci beaucoup, je vous libère, président. Merci à grande dame Francine Nguembe de la Belgique. Ça, c'était la réflexion et la connaissance. On a voulu marier ça ensemble pour savoir quoi faire après la libération de Jean-Pierre Bemba. Ne soyons pas des fanatistes, mais réfléchissons et pensons à l'avenir de notre pays. Moi, c'est José Bolloa, l'international. On se retrouve la fois prochaine. Bye.